pays du Congo. Et à ce sujet, nous avions un message pour nous ramener aux réalités de ce qui se passe dans notre pays depuis déjà tant de temps et tant d'années. Nous essayons d'améliorer. Nous n'arrivons pas à améliorer. Encore dernièrement, c'est une impasse. Malgré tous les efforts des hommes, malgré toutes leurs discussions, personne ne veut se sacrifier. Personne ne veut perdre pour gagner. Personne ne pense au bien des autres. Et déçus que nous sommes, nous nous demandons, jusqu'à quand, ô Dieu, jusqu'à quand? Serons-nous donc condamnés au désordre? Serons-nous donc condamnés à l'anarchie et à la corruption à tous les niveaux, et à la pauvreté, et au malheur et aux larmes? Mon Dieu, quel que soit l'avenir de ce pays, nous te demandons que ton Église prospère. Nous te demandons qu'il y ait une différence entre le monde qui nous entoure et l'Église de Jésus-Christ. Nous te demandons que notre témoignage soit un témoignage sans faille, un témoignage qui soit à la gloire de Dieu, un témoignage qui fasse que ceux qui nous entourent désirent posséder ce que nous possédons. Désire chercher ce que nous avons trouvé. Frères et sœurs, je ne suis pas un devin. Gloire à Dieu pour cela. Je ne suis pas un homme qui prédit l'avenir. Mais je suis qu'un prédicateur que Dieu a appelé à annoncer l'Évangile et toute la vérité. Par conséquent, c'est mon devoir de prêcher la vérité si cette vérité ne plaît pas, ne plaît ou ne plaît pas. Mais cette vérité doit être dite, à moins qu'il y ait un changement dans les cœurs des hommes et des femmes, à quelque niveau que ce soit, il n'y a pas d'espoir pour notre pays. S'il vous plaît, écoutez le message de la parole de Dieu, de celui qui vous appelle à la repentance et à réaliser que vos années sont comptées. Personne n'est maître de sa destinée. Personne. Personne. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Pourquoi donc faire de ces années, de ces courtes années, des années de pauvreté, de troubles, de guerre, de haine, de division, de mésentente? Pourquoi? Si peu d'années. Frères et sœurs, retournons à Dieu. Éliminons ces mauvaises pensées, cette cupidité, cette corruption qui nous perd. Le temps est court. Le temps est court. Oh, que l'Église de Jésus-Christ soit un exemple, c'est ma prière. Qu'elle fasse la différence. Et que l'Esprit de Dieu travaille au milieu de nous avec force et puissance. Que l'Église de Jésus-Christ soit un témoin au milieu des ténèbres, une lumière, un phare qui éclaire. Attention, Église de Jésus-Christ, ne te laisse pas gagner par l'esprit du monde, l'esprit de la corruption, l'esprit de la voie facile à la chair, mais empoisonnée. Attention, Église de Jésus-Christ, reste fondée sur les Écritures. Le vrai ou le faux. Déjà, depuis quelques dimanches, nous sommes sur ce thème du vrai ou du faux. Dimanche dernier, nous avons parlé de la vraie paix et de la fausse paix. Et j'aimerais de nouveau vous entretenir sur le vrai ou le faux dans les manœuvres que Satan fait aujourd'hui pour détruire son Église. Et nous allons lire pour cela dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2, à partir du verset 1er. De Pierre 2, verset 1 jusqu'au verset 3. Nous lisons. Il y eut de faux prophètes parmi le peuple. De même, il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine.
Beaucoup les suivront dans leur dérèglement. Et à cause d'eux, la voix de la vérité sera calomniée. À cause d'eux, la voix de la vérité sera calomniée. Quelle est la voix de la vérité? La voici. Elle est là, écrite, la voix de la vérité. Et si nous prêchons d'après ce saint livre, d'après la voix de la vérité, de ce qui est écrit dans ce saint livre, nous prêchons la vérité. Tout le monde a la capacité de lire le saint livre. Tout le monde a la capacité de comparer, de voir, d'après ce qui est écrit, d'après le témoignage du cœur, dont le cœur parle le Saint-Esprit, si ce qui est dit est vrai ou faux, et de prendre sa propre décision, et de faire son propre choix. Verset 3. « Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Donnez votre argent, donnez vos biens, vous allez devenir riches. Ils vous exploiteront. Ce n'est pas à toi à prendre les biens des autres pour que toi tu sois riche. Si tu me donnes à moi, si tu me donnes à moi, tu deviendras riche. Il y en a qui camouflent ça en disant, donne à Dieu et tu deviendras riche. Les gens disent, d'accord, je vais donner à Dieu. Et eux, ils sont Dieu, ils prennent tout. Pour satisfaire les convoitises. Voilà les temps dans lesquels nous vivons. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil. Leur perdition n'est pas en sommeil. Donnez à Dieu, d'accord, mais à Dieu, afin que ce que vous donnez soit investi dans les âmes pour le royaume. Voilà. Et celui qui donne, même avec un esprit de sacrifice, qui donne ce qui lui est nécessaire, parce qu'il aime l'œuvre de Dieu et il aime le Seigneur, et ses motivations sont justes, Dieu se souviendra de lui. Mais il y en a qui donnent par de fausses motivations. Je vais donner comme ça, Dieu va me donner au centuple. Ce n'est pas comme cela que ça marche. Je donne parce que je veux en recevoir double en retour. Dieu a donné des promesses, c'est vrai, mais quand tu donnes en oubliant tout le reste. Tu le donnes par amour. Si tu donnes par amour, Dieu le voit. Si tu ne donnes pas par amour, mais par cupidité, ça c'est une donation par cupidité, vous me comprenez. Je donne pour recevoir trois fois plus, ça c'est de la cupidité. Dieu le voit aussi. Et tu resteras pauvre et tu n'auras rien en retour. Attention à nos motivations. Beaucoup les suivront dans leur égarement. Et à cause de la voix de la vérité sera calomniée. L'introduction dans l'Église de doctrines fausses. L'infiltration de faux ministères avec des enseignements erronés est la stratégie la plus subtile de Satan dans les jours que nous vivons. Tout semble être juste, tout semble être bien, mais c'est par cupidité, avec des motivations mauvaises, et des paroles trompeuses qu'ils séduisent. Ils prennent des vérités de la parole de Dieu, qui sont des vérités, mais ils les changent et ils les tournent selon leur propre pensée et selon leur propre cupidité. L'infiltration de ces faux docteurs et de ces faux apôtres, l'infiltration de ces faux bergers n'est pas quelque chose d'évident, pas toujours. Certains, ils sont tellement égarés que c'est évident. Et ceux qui connaissent la parole de Dieu les évitent. Mais ce n'est pas toujours quelque chose qui est évident. Des croyants sincères se laissent convaincre, trop souvent, par de belles paroles spirituelles, d'apparence spirituelle,
habilement dosé, pas trop, juste un peu, mais dans lesquels il y a un poison de mort qui détruit, d'une mort spirituelle. Si ces gens sont suffisamment, ont suffisamment de temps pour opérer, ils divisent l'Église. Elles jettent le chaos au sein des enfants de Dieu. Quand ils parlent, il semble qu'ils ont l'onction. Et ils paraissent tellement plus spirituels, tellement meilleurs, tellement mieux connaisseurs que votre propre pasteur. Ils semblent vraiment loin, vraiment loin. Et ils vous séduisent. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 14, il est dit, « Ce sont là de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Ce sont là de faux apôtres. Vous voyez, apôtres, mais faux. C'est-à-dire qu'ils ont toutes les apparences. Ils ont même le charisme. Ils ont même les traits principaux de l'apôtre. Mais ils sont des agents de l'ennemi déguisés. Pourquoi? Eh bien, parce que dans leur doctrine, il y a des déviations qui détruisent les âmes. Et l'apôtre dit, ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en un ange de lumière. Il prend l'apparence d'un ange de lumière. Il y a certaines personnes qui ont des visions extraordinaires. Je connais le cas d'une personne quelque part en Europe, dans une église, qui avait tout le temps des visions de Jésus-Christ. Elle en parlait, des visions de Jésus-Christ. Mais cette personne était terriblement dépressive. Dépressive. Rien n'allait dans sa vie. Mais elle parlait toujours qu'à certaines heures de la nuit, Jésus-Christ lui apparaissait. La pasteur a dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'elle était dans des dépressions terribles. Et un jour, elle a demandé au pasteur de rester pendant la nuit dans une chambre à côté. Parce qu'il y avait des discussions dans l'église à ce sujet. Dans une chambre à côté, il est resté là avec un frère. Pendant la nuit, il a prié. Et de nouveau, cette personne a eu la manifestation, soi-disant, de Jésus-Christ. Et le pasteur et le frère sont mis à prier, à chasser les puissances des démons, et subitement l'image, le déguisement a disparu, et c'était un démon qui était là. Frères et sœurs, soyons conscients des ruses de l'ennemi. J'ai rêvé, j'ai vu, il a eu une vision, il a vu Jésus-Christ, mais la vie est fausse. Vous vivez dans le péché, vous vivez dans la corruption, vous vivez dans la convoitise, vous vivez loin de Dieu, vous désobéissez à la parole de Dieu et vous proclamez votre message et vos visions et vos façons de voir. Sachez que c'est un déguisement satanique. Si la vie n'est pas conforme au message, rejetez le message. À quoi cela sert-il, frères et sœurs, d'avoir des paroles dont est la vie qui est l'opposé au message? C'est une honte. Nous vivons dans les derniers temps et l'esprit de séduction est dans notre monde. L'ennemi se déguise en ange de lumière. En ange de lumière, Satan peut faire des miracles.
Satan peut parler en d'autres langues. Je me souviens, tout au début, que j'étais à Léopoldville et que nous prêchions pour la première fois le message de la Pentecôte dans cette ville. Il y avait des gens qui étaient attirés de différents groupements qu'on appelle Gunza ou autres. Un jour, ils m'ont invité, ils m'ont dit, venez voir ce qui se passe chez nous. Nous aussi, nous avons l'esprit. Ah bon? Et j'étais là, je regardais. Ils faisaient des choses terribles. Et j'ai vu un homme qui parlait en langue. Mais je vous assure qu'il parlait en langue. Et ça y allait. Et quand je suis sorti, qu'est-ce que vous pensez? Non, il n'y a rien de l'Esprit de Dieu. Voilà ce que j'ai répondu. Il n'y a rien de l'Esprit de Dieu. Ils ne m'ont plus jamais invité. Nous vivons dans des temps pernicieux. C'est pour ça que la parole de Dieu nous exhorte à juger. Oui, à juger. Par la parole. Pour savoir et faire la différence entre le vrai et le faux. Nous ne sommes pas appelés à juger les autres pour condamner. La condamnation ne nous appartient pas. Mais Dieu nous appelle à juger d'après le critère, d'après la constitution de notre foi, le Saint-Livre, afin de savoir si ce qui se passe est vrai et faux. Et puis, mes frères, si nous avons reçu le Saint-Esprit, vous allez sentir quelque chose là. Je me souviens d'avoir entendu des prédicateurs qui prêchaient merveilleusement. Mais dans mon cœur, il n'y avait pas le témoignage de l'Esprit. J'étais dérangé. Je ne pouvais pas dire « ça c'est faux ». Non, je ne pouvais pas. Parce que tout ce qu'ils disaient, c'était biblique. Mais là-dedans, ça n'allait pas. Et quand on demandait « alors, il revient ?» Je faisais « je ne sais pas ». Ah, je ne paraissais pas spirituel pour les autres. Pourquoi ? Eh bien, parce que eux, ils étaient enthousiastes. Vous voyez? Bien sûr que j'étais enthousiaste, la parole était vraie. Mais il y avait quelque chose là dans le cœur. Le temps a passé et le temps a prouvé que j'avais raison. J'avais raison, façon de dire, l'Esprit de Dieu en moi. Car par moi-même, comment puis-je savoir? Nous vivons dans des temps difficiles. Comme nous dit Timothée, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ces faux apôtres sont aussi des voleurs de brebis. Vous allez voir, ces faux apôtres, ils ne cherchent pas à gagner ceux qui sont perdus. Ils ne cherchent pas à gagner ceux qui sont loin de Dieu. Les prostituées, les ivrognes, les voleurs, les blasphémateurs. Non, non, non. Ils cherchent à prendre les brebis de votre troupeau. Des voleurs de brebis. Méfiez-vous de ceux-là. Ils vont essayer d'attirer et de faire venir chez eux vos, votre troupeau, vos brebis. Ils font tous leurs efforts possibles pour arracher de votre troupeau les meilleurs et les plus capables parmi vos brebis ou les faibles, facilement influençables. Leur onction apparente n'est pas de Dieu, car ils sèment derrière eux la ruine et la division. L'ennemi sait qu'il ne pourra vaincre les croyants consacrés, justes, fidèles, par la confrontation ouverte ou par la persécution. Comme je l'ai dit dimanche dernier, quand il y a une persécution, les enfants de Dieu se jettent à genoux. Ils s'unissent. Même s'ils ont quelques problèmes, ça tombe entre eux. Ils pleurent sur leurs genoux. Et ils sont prêts à donner leur vie. Satan le sait. Et bien souvent, leur sang sert de semence à l'Église. Elle se multiplie. C'est ce qui s'est passé pendant les premiers siècles du christianisme. Alors, il va tout entreprendre, l'ennemi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui.
pour faire glisser les enfants de Dieu fidèles dans l'erreur spirituelle, s'ils ne veillent pas, en les séduisant par toutes sortes d'enseignements et de nouvelles révélations. Attention à ces soi-disant nouvelles révélations. Qu'y a-t-il dans le Saint-Livre qui ne nous est pas déjà révélé? Nous avons la révélation. Ce que nous devons faire, c'est de plus lire la Bible pour en connaître mieux la révélation. Mais il n'y en a pas de nouvelles. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Il n'y a pas de nouvelles révélations. Lisez la Bible et vous connaîtrez ce que la Bible nous révèle, ce que Dieu veut nous révéler par la Bible. Il y a assez pour nous pour rentrer dans le royaume des cieux. Ils cherchent à les séduire par des doctrines diverses, extra-bibliques, d'interprétations erronées et de manipulation de la parole de Dieu. Dans 1 Timothée 4:1, il est dit: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ceci arrive lorsque ces faux ouvriers se pénètrent dans l'Église et qu'on les laisse travailler. Abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, la séduction, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux discoureurs. De faux discoureurs, ils vont parler, ils ont un charisme, ils savent bien manipuler le français ou le lingala ou n'importe quelle langue. Ils savent bien, oulala, des exemples, des histoires, des orateurs. Des faux discoureurs. Jugez ce qu'ils disent. L'ennemi cherche à affaiblir l'Église de Jésus-Christ. Il veut affaiblir par l'intérieur. Et il veut affaiblir par des artifices de tout genre de séduction, imitant l'onction, poussant les gens à toutes sortes d'extravagances. Méfiez-vous de l'extravagance. On en voit partout. On en voit en Amérique, on en voit en Europe, on en voit au Congo. Beaucoup de Congolais s'en vont là-bas en Europe, en Amérique. Ils voient des extravagances de tout genre, avec la Bible, bien sûr. Et ils viennent là, ils font la même chose. On jette sa veste sur les auditeurs. On fait toutes sortes de choses de ce genre. Écoutez-moi bien, mes frères, écoutez-moi bien. Même si Dieu a employé un homme quelque part pour faire quelque chose de particulier, pourquoi est-ce que tu l'imites? Souvenez-vous, au moment du réveil de la Pentecôte à Jérusalem, lorsque Pierre passait dans les rues et que son ombre passait sur le corps des malades, ils étaient guéris. Mais est-ce que ceci a été établi comme une doctrine? Est-ce que les apôtres ont continué à faire ça? C'était une chose particulière qui était faite par Dieu à un moment particulier pour un besoin particulier. Mais maintenant, quelqu'un fait quelque chose quelque part. Je ne suis pas là pour juger. Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut. Mais pourquoi moi je vais l'imiter? L'imitation n'est pas de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à imiter les hommes. Nous sommes appelés à imiter Jésus-Christ. Que disait Paul? Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Autrement dit, vous ne connaissez pas encore profondément Christ, mais regardez Christ en moi.
Christ en moi. Aimer, imiter Christ en moi. Parce que moi, j'imite Christ. Toutes sortes d'extravagances, des bruits désordonnés, faisant croire que c'est l'onction, la manipulation, l'artificiel et la chair sont en train de prendre place dans beaucoup d'églises. Ce que je déteste, c'est pas sœurs qui commencent une réunion et commencent à crier « Alléluia ». Je ne vous entends pas. Encore plus fort. Alléluia. Encore plus fort. Alléluia. Alléluia. Et ça crie. Et tout le monde hurle. Qu'y a-t-il de Dieu là-dedans? Du bruit. Du bruit pamba. Si nous disons Alléluia, mais nous devons le dire à bon escient. Nous devons le dire au moment où vraiment nous sentons l'onction. Et ça bouillonne. Mais nous ne sommes pas là pour exciter la chair. S'il vous plaît, Dieu est un Dieu saint. Et n'utilisez pas le nom de Dieu en vain. Alléluia, il veut dire louer Dieu. Louange à Dieu. Frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour essayer de manipuler la louange, de manipuler une réaction, de manipuler la foule pour que la foule mousse. Non, non. Nous voulons la véritable onction d'en haut. Nous ne voulons pas une manipulation de la chair. L'ennemi contre qui nous avons à nous battre est avant tout un trompeur. Il est avant tout un imitateur. Gardons-nous d'imiter. Imitons Jésus-Christ. Un imitateur, un usurpateur. Il prend ce qu'il n'a pas le droit de prendre. Autrement dit, un voleur. Un usurpateur, c'est un voleur. Un moqueur. Voilà ce qu'il est. Sans scrupule. Il se moque des hommes. Et les hommes n'y voient rien. Comprenons bien que la prééminence donnée à certaines doctrines justes et en négligeant, ceci se passe, d'autres doctrines justes aussi, et des doctrines justes qui sont indispensables, mais on met en évidence une doctrine. Et on laisse les autres, tout aussi indispensables, disons en veilleuse, donne un déséquilibre à l'Église. Un déséquilibre. On insiste sur une doctrine, on en fait son cheval de bataille, et puis les autres doctrines, on les laisse en veilleuse. L'Église est en déséquilibre. Par exemple, ce qu'on appelle le combat spirituel. C'est biblique. Nous sommes tous engagés dans un combat spirituel. Je ne vais pas dire le contraire. C'est biblique et c'est vrai. Mais lorsque cette vérité est poussée à outrance, à l'extrême, elle détourne l'attention des croyants de la stratégie camouflée de l'ennemi. De la stratégie sournoise de l'ennemi, alors que les croyants passent leur temps à crier contre lui, à l'invectiver en le menaçant du nom de Jésus, l'ennemi s'emploie à les tromper dans des déviations doctrinales de toutes sortes. Vous m'entendez? De toutes sortes. Vos conducteurs spirituels, vous, membres d'Église, il veut les faire glisser et vous faire glisser à travers leur message et leur priorité qui est le combat spirituel. Il veut l'ennemi vous faire glisser dans
des fausses doctrines. Loin de la doctrine sainte et vraie, d'un ministère équilibré, ancré sur toute la parole de Dieu. Nous sommes tous nés de nouveau, nous qui avons cru. Et quand un homme est né de nouveau, il est une nouvelle créature. Que dit la Bible? Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Oui, vous êtes né de nouveau, mais vous êtes encore lié. Vous êtes né de nouveau, mais vous êtes encore possédé. Vous êtes né de nouveau, mais les liens des parents sont sur vous. Vous devez être délivré. Mais de quelle délivrance parlez-vous? Si un homme est véritablement né de nouveau, il est né libre et délivré. Par la puissance de Jésus-Christ, délié des puissances des ténèbres, délié. Il peut y avoir des mauvaises habitudes de la vie du passé qui doivent être vaincues, mais le Seigneur vous rendra vainqueur, car il vous a déjà délivré. C'est la chair qui doit être crucifiée au bois de la croix. Faites mourir votre chair. N'accusez pas Satan pour des choses qu'il n'a pas faites. Il en est de même pour le baptême du Saint-Esprit. Et le parler en d'autres langues, selon l'analogie de l'Esprit. Certains ont fait du parler en d'autres langues le centre de leur doctrine. Leur cheval de bataille, si je puis dire. Et ils ont négligé le fruit de l'Esprit. Pour eux, c'est tout le parler en langue. Ils parleront en langue des heures entières. Ils parleront en langue sur les genoux. Ils parleront en langue à haute voix. Il y a des fois, on a des réunions de prière. Vous entendez des gens qui parlent en langue, parlent en langue, parlent en langue. Vous ne pouvez même pas vous concentrer. Ils dominent tout. Moi, ça m'est arrivé. Des fois, j'étais dérangé. L'Esprit de Dieu est là. Mais paf, paf, paf. Et on n'arrive pas à prier à haute voix pour un sujet particulier. Pourquoi? Parce que tout le monde domine. On a oublié le fruit de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la tempérance. On parle en langue, mais on n'a pas d'amour pour son prochain. On n'a pas d'amour pour le frère. On critique tout le monde. On parle en langue, mais on abuse sur combien de choses? Pas de patience, rien. Rien. Plein d'orgueil. Je parle en langue, écoutez-moi, blablabla. Attention, mes frères, toutes ces doctrines sont justes. Le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit sont justes. Elles sont bibliques pour nous aujourd'hui. Mais quand nous en faisons notre exclusivité, notre spécialité, notre doctrine centrale, notre priorité doctrinaire, nous nous égarons. Entendez-vous, pentecôtistes? Nous nous égarons. Moi, j'ai vu des âmes magouilleurs dans les affaires, ça s'est prouvé après, magouilleurs dans les affaires, faisant toutes sortes de choses mauvaises, mais qui parlent en langue. Ceci ne veut pas dire que le parler en langue est à négliger. Ceci ne veut pas dire qu'il faut le rejeter, non, mais exercez-le selon l'analogie de l'Esprit de Dieu. Exercez-le dans le cadre biblique. Il y en a qui diront, oh, pasteur Verneau, vous étouffez l'Esprit. C'est ce que quelqu'un m'a écrit cette semaine. Alors, ne pas étouffer l'Esprit, c'est laisser faire. Non, mes frères, j'ai des comptes à rendre à Dieu. Je dois suivre ce chemin-là. Et je veux suivre ce chemin-là. Et si vous voulez suivre ce chemin-là, suivez-moi. Quand on parle de la doctrine du salut, nous voyons aussi des déviations qui tendent justement à
nous éloigner du salut. Voilà les ruses de Satan. Quand on dit une fois sauvé, toujours sauvé, quelle ruse de Satan ? Oui, une fois sauvé, toujours sauvé, je suis d'accord, c'est juste. Mais conditionnellement, à condition que nous restions dans sa main. Il est dit que nul ne vous ravira de ma main. C'est vrai. Et il y a d'autres passages pour confirmer cette vérité. C'est vrai. Une fois sauvé, toujours sauvé. Et l'ennemi ne peut pas nous ravir de sa main. Non. Mais nous, nous pouvons sortir de sa main. Et c'est là la tragédie. Restons-nous dans sa main. Il est bien dit que rien ne nous ravira, sauf nous-mêmes. Ce n'est pas « je suis sauvé, je peux faire ce que je veux ».« Je suis sauvé, c'est acquis pour l'éternité ». Dieu ne force personne à rester dans sa main. Personne n'est obligé de rester dans sa main. On en sort par le péché. Regardez ce qui est écrit en hébreu. Parmi beaucoup de passages, j'en ai choisi deux. Hébreux 10, 26. Il est dit, « Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, donc ce n'est pas un païen, hein, vous êtes d'accord avec moi, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement. » Et plus loin, au verset 29, il est dit là, « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu ?» qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié. Ah, il était dans la main de Dieu. Par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Jugement pour lui. Il a été sanctifié. Il a été lavé. Il a été purifié. Il était dans la main de Dieu. Mais maintenant, il foule aux pieds le Fils de Dieu. Il tient pour profane le sang de l'Alliance. Comment le fait-il? En lui tournant le dos et en faisant ce qu'il faisait autrefois. Il est de nouveau voleur, il est de nouveau menteur, il est de nouveau adultère, il est de nouveau tout ce qu'il faisait autrefois, que sais-je, volontairement. Moi, j'ai connu des gens dans le passé qui étaient des enfants de Dieu, remplis de l'Esprit. Ils étaient sauvés. Fantastique. Quelque chose s'est passé dans leur vie. Terrible. Ils sont retournés en arrière, même dans l'occultisme. Mais mes amis, vous allez dire que ces gens-là, sont sauvés quand même? Ils sont sortis par leur propre volonté de la main de Dieu. Attention. Les croyants doivent réaliser que quand leur ennemi est trompeur, qu'il est un menteur, qu'il est un falsificateur habile. Il n'est pas sage de donner toute son attention aux attaques ouvertes, évidentes. Soyons équilibrés dans notre doctrine. Nous sommes des pentecôtistes, gloire à Dieu, je ne veux pas être autre chose. Je crois à toute la Bible, je crois au parler en langue, au baptême du Saint-Esprit. Je crois à la nouvelle naissance. Je crois à la délivrance de tous mes péchés et de tout lien qui me retenait captif depuis que je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau, complètement changé, transformé, une nouvelle créature libre. Je crois à tout cela, mais que Dieu me garde de choisir une de ces doctrines, de les détacher et d'en faire mon cheval de bataille. Non, je veux tout. Équilibre.
Notre ennemi est trompeur, menteur, falsificateur, moqueur. Il se moque des hommes. Faisons attention. Il ne va pas nous attaquer de façon ouverte. Peut-être qu'il va le faire. Peut-être qu'il y en a qui vont donner leur vie pour Christ. Peut-être qu'il y aura des persécutions terribles qui vont venir. Je ne sais pas. Mais il est en train aujourd'hui de miner l'Église avec ses manipulations et ses mensonges pour mieux la détruire par l'intérieur. Ne nous laissons pas distraire, mais veillons et prions. Quand on met toute son attention sur le visible, sur l'évidence, sur ses attaques, on doit savoir qu'en même temps, par la diversion qu'il provoque, il va chercher à pénétrer dans la place pour affaiblir, pour miner la foi des enfants de Dieu. Sans qu'on s'en aperçoive, occupé qu'on est par l'affrontement ouvert et évident. Une diversion, vous savez, dans la guerre, c'est ce qu'on fait. On fait croire à l'ennemi qu'on attaque à tel endroit. On envoie quelques troupes là-bas pour attirer l'ennemi là. Et quand il est attiré, c'est une diversion. On pénètre sournoisement par derrière. Ça, ce sont les attaques de l'ennemi pour affaiblir et miner notre foi, Dieu dit, dans 1 Pierre 5,8. Soyez sobres, vigilants, c'est-à-dire veillés. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. 1 Pierre 5,8. Soyez sobres, vigilants. Frères et sœurs, je vous en supplie, nous devons nous réveiller. L'Église doit être en alerte pour déjouer les ruses de l'ennemi. Si ces attaques étaient frontales, évidentes, nous n'aurions pas moins à craindre ses ruses et ses tactiques. Méfiez-vous de lui à tout moment. La parole de Dieu ne dit jamais de faire attention à la puissance de l'ennemi. Non. Mais elle dit toujours, veillez. Elle nous exhorte à être conscients de ses ruses, de ses manœuvres et de ses manipulations, des manœuvres dans l'esprit des ténèbres. Il veut affaiblir l'Église. Il veut l'influencer. Il veut l'infiltrer par de faux bergers, de faux docteurs, de faux prophètes qui enseignent des doctrines pernicieuses. Il l'a fait en Éden, le grand docteur satanique. Mais non, ce n'est pas Dieu qui a dit que vous mourrez. Mais non, il n'a pas voulu dire ça. Écoutez, moi je sais. Je sais, il ne veut pas que vous soyez intelligent, que vous parveniez à son niveau. Je le sais, mais vous savez, moi j'ai compassion de vous. J'ai compassion de vous, Dieu n'a pas compassion. Hein, mais je vais vous donner un secret, il ne faut surtout pas le lui dire. Il ne faut surtout pas le lui dire. Je vais vous donner un secret. Hein. Si vous mangez de ce fruit, d'abord, comment est-ce qu'il peut le voir? Il n'est pas là, non? Si vous mangez de ce fruit, vous deviendrez intelligent, vous connaîtrez le bien et le mal, et vous serez comme des dieux. Voilà le faux docteur. Voilà le faux prophète. Frères et sœurs, nous sommes dans des temps où il faut nous humilier. L'Église va mal au Congo. Écoutez tous les enseignements qui sont donnés. Nous sommes dans des temps où nous devons nous humilier. Et nous, Assemblée de Dieu, nous ne sommes pas les meilleurs. Nous devons nous humilier devant Dieu. Non, non, laissez-moi de côté. Tous ces titres, ces gens qui se présentent comme prophètes, ces gens qui se présentent comme évêques ou bishops ou tout ce que vous voulez, ces gens qui se présentent avec des titres ronflants. Non, ce que nous voulons voir, c'est le ministère qui vient de Dieu. Je suis fatigué d'entendre ces choses.
L'autre jour, j'ai vu un jeune homme, à peine 25 ans, je ne sais pas. On le présente à la radio comme prophète. Et il raconte des bêtises. Non, non, non! Nous voulons voir des ministères loin du Saint-Esprit. Et si Dieu met au milieu de nous des prophètes, des apôtres et tout ce que vous voulez, nous les appellerons toujours frères. Et nous reconnaîtrons le ministère que Dieu leur donne. Parce que ce ministère ne vient pas des hommes ni des titres, il vient de Dieu. Que l'homme s'abaisse, que l'homme s'humilie, que l'homme pleure sur ses genoux. Notre Église ne va pas bien. Notre Église est malade. Nous devons revenir à la Bible. Nous devons nous humilier devant Dieu. Frères et sœurs, notre vie est si courte. Préparons-nous à le rencontrer. Baissons la tête. Nous sommes devant toi, ô Dieu. Nous sommes devant toi. Nous avons besoin de toi dans ces temps de la fin. Nous avons besoin de toi. Peut-être que parmi nous, certains se sont laissés séduire d'une façon ou d'une autre, par des fausses doctrines. Certains ne sont pas fidèles à leur Église. Et ils vont ici, et ils vont là, et ils vont écouter ailleurs. Et dans le fond, ils pensent, « Oh, notre pasteur étouffe l'Esprit de Dieu. Notre pasteur ne prêche pas la vérité. Notre pasteur ne laisse pas l'Esprit faire son œuvre. » Ô frères et sœurs, je crois que l'Esprit de Dieu fait son œuvre. Mais je me battrai contre l'esprit de Satan, qui veut se déguiser. Attention! T'es-tu laissé, ami, frère, sœur, t'es-tu laissé séduire par ces choses? Si tu es touché dans ton cœur ce matin, et que tu vois que d'une façon ou d'une autre, tu t'es laissé influencer, demande pardon à Dieu. Et pour cela, lève-toi où tu es. Lève-toi où tu es. Je veux te voir. Lève-toi où tu es. Je me suis laissé influencer par des fausses doctrines, par des faux enseignements. Et je demande pardon à Dieu. Je me suis laissé influencer ici et là. Ma vie, je vis encore dans le péché. Je ne suis pas libre. Y a-t-il quelqu'un aujourd'hui qui veut demander pardon à Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui veut mettre sa vie en règle devant le Seigneur? Cet appel est adressé à vous tous, frères et sœurs. Seigneur Jésus, je t'apporte ces hommes et ces femmes. Que Dieu vous bénisse. Y en a-t-il d'autres? Dieu vous bénisse. Nous ne voulons pas passer beaucoup de temps. Que Dieu vous bénisse. Quelques-uns se lèvent. Que Dieu vous bénisse. Y en a-t-il d'autres? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Jésus. Que Dieu vous bénisse. À travers toute la salle, il y a des personnes qui se lèvent. Que Dieu vous bénisse. Je vous en supplie, soyez sérieux avec Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Oui, c'est dur de se lever, je sais. Mais mes amis, celui qui s'humilie, Dieu l'élèvera, Dieu le secourra. Que Dieu vous bénisse. Y en a-t-il d'autres encore? Dieu vous appelle, mes frères, mes sœurs, qui que vous soyez, Dieu vous bénisse. Pourquoi vous attendez si longtemps? Le temps passe. Seigneur Jésus, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Seigneur, parle, Seigneur, parle, Seigneur, parle. Cédez à l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un temps où il nous faut nous humilier, pleurer devant Dieu. Un temps de brisement, rien ne va. Dans le pays, rien ne va. Dans nos églises, des églises, rien ne va. Nous avons besoin de Dieu. Oh Seigneur, ramène-nous à ta sainte Bible, à ta sainte révélation. Toute la révélation nous est donnée. Qu'avons-nous besoin de nouveau? Toute la révélation nous est donnée, où nous ouvre-nous l'intelligence pour comprendre ce que dit le livre, le livre. Seigneur, je t'apporte ces hommes et ces femmes. Je te demande de les aider. Je te demande de travailler dans leur cœur. Je te demande de les convaincre par ton Saint-Esprit. Je te demande de les fouiller. Et Seigneur, montre-leur, Seigneur, leur égarement dans la doctrine, dans la pratique, dans ces choses-là. Seigneur, dans leur soumission à des faux bergers, à des faux enseignements. Seigneur, ô mon Dieu, veuille les secourir, je t'en prie, et que leur vie soit conforme, leur vie soit pour ta gloire, leur vie soit pour le royaume des cieux. Bénis-les, Seigneur, touche-les, Seigneur, donne-leur la victoire, Seigneur, qu'ils sachent faire la différence et choisir
pour le royaume. Pour le royaume et pour ta gloire. Reprenez vos places. Merci. Nous te prions, Seigneur, maintenant pour les offrandes. Seigneur Jésus, sanctifie. Sanctifie ces offrandes. Sanctifie-les, Seigneur. Ô mon Dieu, bénis tous ceux qui donnent, je t'en prie. Bénis-les, Seigneur, qui donnent de leur pauvreté, de leur nécessaire. Permets que rien ne leur manque parce qu'ils donnent. Au contraire, mais donne-leur de donner avec une juste motivation. Non pas avec cupidité, mais Seigneur, avec désintéressement et avec amour pour le royaume des cieux. Et donne-nous d'utiliser cet argent pour le royaume, un investissement pour le royaume. Merci, Père. Combattons le bon combat. Chant numéro 300.